has come too. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la playroom pour ce nouvel épisode pardon, de MGS5, donc The Phantom Pain. On a extrayé le soldat hautement qualifié 01. Je fais OK, on a une opération différente, rendez-vous au bon endroit. Depuis le centre de commandement et rien. What? Ok, bon bah écoute, va te faire enculer. Liste des missions. Détruisez les équipements. Non, le truc de la manière. Extrayez l'ingénieur qui a tenté d'échapper du camp de base soviétique et est maintenant retenu dans les cantonnements de Waxind. Détruisez les équipements de communication soviétique pour empêcher le renfort avant entre les avant-postes. Les envois de renfort entre les avant-postes. Bah écoutez, ça peut être intéressant. Alors, bah écoutez, on va partir là-dessus. Accepter la mission du centre de commandement aérien. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ah, il doit y avoir une mission dans l'hélicoptère. Centre de commandement aérien. Peut-être ça. Bon bah d'abord j'avais. Bah bla. D'abord j'allais me laver. Ah oui putain. Les touches de ce jeu ne sont vraiment pas du tout comme je les connais. Je vais pas les modifier, mais voilà quoi. Voilà, je suis tout beau, tout propre. Un flex! Où sont les autres? Allez, crash! Alors? Ah, un instant. Heureux, bon, putain. Nous disions donc RT, voilà, là, crash le morceau. Oh, il leur demande. Parle. Un autre à dire? Plus fort, mais il est dégueulasse. Où sont les autres? D'accord. Parfait. Tu as parlé, tu es nul. Réflexe! Où sont les autres? Oui, ça je sais. Réflexe! Non, c'est comment qu'on fait pour le... Bam! Je sais pas ce qui s'est passé. Boum. Morale du personnel augmenté. Bon, c'est pas grave. C'est où? C'est là. Ça doit être là. Hélicoptère, rendez-vous. Ici. Merci. Alors. Où est-ce qu'il est? Le voilà. Tu descends ou pas? Alors. On monte. Et on y va. Allez, roule. Joli chez moi quand même. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait l'insigne Diamond Dogs. Enfin, Diamond Dogs. Diamond. Shine right like a diamond. J'ai pas la refaire. Désolé. Sincèrement, désolé. J'ai honte. J'ai carrément honte. J'en ai tué un. Et tout. Ou il est assommé peut-être. Alors. Ou alors peut-être la prendre la mission à partir de l'hélicoptère. Ça.
Bonus de... Oui, d'accord, ok. Liste secondaire. Extrayez le soldat hautement qualifié. Ok. Bah, danger faible, danger faible, danger faible, danger faible. Bah, si le danger est faible partout... Bon, apparemment, il veut pas. Donc on va aller là, on va aller chercher le gros soldat. Choix de l'équipement, je suis bon. Choix du coéquipier. Je n'ai que 10 horse. Équipement normal. Cette musique. Kaki. Kaki avec écharpe, ça donne quoi? Ah non, ça va pas le faire. Renard du désert, ça va être bien mieux. Et on va faire lancement. Ouais. On y va. Dès que possible. Dinky D. Non, c'est pas ça. D'accord. Intéressant. D'accord. Allons-y. Donc on va pas faire toutes les missions spéciales, hein. Je vais faire toutes celles qui me semblent intéressantes. Par exemple, l'extraction d'un soldat pour le retourner, ça peut être cool. C'est la base de beaucoup de films. Des cheveux. Wouhou, des cheveux. Wouhou. Bon. Allons-y. Qu'est-ce que c'est? Une espèce d'école. Ok. De l'autre côté, il y a quoi? La montagne. Bon, c'est pas grave. Ah, apparemment, c'est ici qu'il faut me lâcher. Ok, bon. Alors, où est-ce qu'on va? On va accepter les récompenses. Bonus du jour, oui, bah 100 000 pim, oui, pourquoi pas. Carte, bon, voilà. Ça, c'est mon hélicoptère qui se barre, d'accord. Extrayer le soldat hautement qualifié. Ça peut être intéressant, parce que j'imagine que maintenant qu'on a l'interprète, on doit pouvoir être en mesure de parler aux gars et de leur demander où est-ce qu'est notre bonhomme à nous. Ça peut être vachement cool. Le problème c'est qu'il est minuit. Quand on va arriver sur place, le jour va se lever en fait. Donc c'est au moment de la sortie que ça va être casse-couille. What? C'est quoi ce truc là, là-bas là? Vous ne me voyez plus. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment je change de côté comme ça? J'ai envie de tenter un truc, chers amis, mais c'est soit ça va marcher, soit pas du tout. Je vais passer comme ça, et ils ne vont rien y voir. Ils ne vont y voir que du feu. Biri 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 biri. Et voilà, que du feu. Ils n'y ont vu que du feu. Ils n'ont donc par conséquent rien vu. Ah, il n'y avait pas une histoire d'ONG aussi avec des moutons? Dommage que vous vous enfuyiez.
que comme j'ai pas vu le réticule, je me suis dit que... Oh putain, ça m'a fait peur. Alors, apparemment, ce sera plus par là. Allons-y. Vous êtes sérieux, une tempête de sable à ce moment-là? Alors, j'en ai bien tapé une dans... Ça sert à rien. Est-ce qu'on y voit mieux comme ça? Ah ah. Il y a du mieux. De l'estragon. Elle est en train de passer. J'entends une bagnole. Putain, mais c'est gigantesque en fait ici. D'accord, c'est pas passé par là où je pensais en fait. Ah, c'est des choses par là. C'est marrant, je vois personne. Ah, j'ai rien dit. Vous savez quoi, on va essayer de passer par la flotte. Afghanistan au nord de Kaboul, poste de ravitaillement Yako Ubu. Intéressant. Le problème c'est que de marcher dans l'eau ça fait beaucoup de bruit, chers amis. Alors. Oh. Une Jeep, pourquoi pas. Y a pas assez de bonhommes. Forcément. Allons-y doucement. Parle. Où sont les autres? Parle! Où sont les autres? Parle!
Dehors. Allez, rentre chez toi. Il y en a un là-bas. Subject on board. Leave the rest to us. Allons voir l'autre, peut-il en saura plus. Tiens un don. Tiens un don, tiens un don, tiens un don. Le problème c'est que je peux pas m'occuper de celui-là là-bas. Oula, je crois qu'il bouge. Ça m'intrigue. J'aime pas du tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Ah ah! Personne? Sérieusement? Oh, le bois, ça en fait du bruit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans le coin. Une plante là, de l'absinthe. Intéressant. Wormwood, also known as absinthium. That's used to make your phantom cigars. Ah, il se passe quelque chose parce qu'il court celui-là. Non, ça va. Tout va bien, ça baigne. Voilà. Il va forcément m'entendre. Ok, j'espère que ce n'était pas lui. Il y en a un qui m'a vu par là-bas, ce qui m'inquiète. C'est que moi je ne l'avais pas vu. Et je ne voulais pas le tuer lui.
Oh. Est-ce que c'est lui? Non. Oh, le camion qui revient fait chier. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde là-dedans. Il s'est couché. Je peux me pencher? Quoi? Putain, j'espère que c'est pas un des deux là. Vite. Oui, on l'extrait aussi. Hop. Bon, maintenant on va se déplacer dans le bâtiment. Quelqu'un a été emporté par un ballon. Oula, un truc qui mène à l'extérieur, j'aime pas ça. Allez. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Une salle interrogatoire? Pas de prisonnier en tout cas. Apparemment avec interrogatoire slash tournage, vous savez, pour les rançons. Alors ce qui m'ennuie, c'est que j'ai perdu l'autre mec là. Il y en a un qui est arrivé là-haut. Ça c'est intéressant par contre, on va pouvoir aller le chercher. Ah ah! Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait personne là-bas. Oula. Et qu'on évite de tomber dans le trou. Alors, bonjour l'ami. Bonjour l'ami.
Allez, crash. Ok. Le mec là ne m'a pas vu. Non, où est-ce qu'il est ? Voilà. Allez, je peux plus l'emporter ? Il ne me voit plus. Il me voit encore. Bon, il me voit encore. Alors, Mother Base, non, mission. Soutien aérien. Oh non. C'est quoi ça? Aïe. Mais pourquoi ça le tue pas? Contact. Oh, c'est bon, normalement vous êtes censé m'avoir perdu de vue là. Alors, où est-ce qu'il est ? Il est toujours là le bonhomme ? Putain, me dites pas que je suis pas du tout au bon endroit. Je suis pas du tout au bon endroit. Je suis pas du tout au bon endroit. Putain. Je suis pas du tout au bon endroit. Et mon silencieux, il me sert à quoi, mon suppresseur? Tempête de sable. Là, faut en profiter, chers amis. Là, faut en profiter parce qu'il y a une tempête de sable. Ressources biologiques.
Alors. Là, faut profiter. Aïe. Bon, bah on va rester là un petit peu. Putain, j'étais pas au bon endroit, quoi. Et où est-ce qu'il est? Putain, attendez. Il était dans la maison là-bas? Diamant brut, plus 10 000, ça c'est cool. Bon, alors où est-ce qu'elle est cette fichue? Putain, mais c'était un pont. Mais si le mec il est au-dessus, comment je l'atteins? Par là peut-être. Peut-être. Ah ah! Avec des marches. Ça doit être par là. Bon bah une attaque qui était pas forcément utile en fait. Ne me dites pas que je me plante encore. Il est là. Endors-toi. Ok. On est trois qui dorment. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Voilà. Si c'était pas cela. Ah. Bon. Alors. Hélicoptère. Please select a landing zone. Là. Où est-ce que je la sélecte la landing? Putain, elles sont shy. Support helicopter requested. Je pense qu'on va appeler The Horse, hein, mais il faut d'abord qu'on retombe sur nos pieds, littéralement. Non, pas les grenades à main. Un cavalier. Un canasson. Qui surgit hors de la nuit. Par à l'aventure au galop. Son nom il le signe à la pointe de ses sabots d'un c'est qui veut dire canasson. Faut vraiment que j'arrête de chanter dans mes vidéos. Même si je suis pas trop mauvais en impro. Oh cool. Vous ne m'avez pas vu, vous ne m'avez pas vu. Vous ne voyez qu'un cheval lambda. Et la flotte qui tombe sur mon putain de Velux. Alors, je pense que dans le prochain épisode on passera sur une mission principale. Bon, il reste pas des bestioles dans le coin? Apparemment non. Allons-y.
Allez, U. U, canasson. U, te dis-je. Alors, la voilà. Bon, on y sommes. Nous y sommes, ça ne veut rien dire. Ah oui, alors forcément. Les canassons. Oula. Alors, du steak de canasson, chers amis. Croissant d'or. Parfait. Salut les mecs. Il est beau ce fusil, dommage que j'utilise pas. Enfin, c'est une carabine techniquement. Si je me trompe pas. Oui, vas-y, prends de l'altitude, je t'en prie. Ah! Oh, la lumière. Non, même pas. Pas le temps. Bon. Extraction arrived at Mother Base. Cool. Alors, on a un pirate. Pirate Marlin. Pauvre. Smoking Crab. Ok. Vampire Ram. Ok. D'accord. Alors, Afghanistan, nord de Kaboul, centre de commandement aérien. Ah oui, non, moi je veux aller à la Mother Base. Hein. Ce serait quand même con de pas y aller. Retour à la Mother Base. Allez à la Mother Base. Voilà, parfait. Donc, bah, les amis, encore une mission plus ou moins réussite. Hein. On va oublier le fait que j'ai quand même mal regardé ma carte. Ou alors supposé que ça allait être au camp. C'est intéressant quand même de voir qu'en fait, bah, le jeu est capable de te montrer ce genre de choses. Ce qui sont assez quand même... Enfin, je me suis quand même infiltré dans le camp. Hein. J'ai pris ce que je voulais dedans. Hein. Plus des gens. Donc de ce côté-là, c'est pas trop mal, on va dire. Va quand même falloir une bonne douche. Alors. Est-ce qu'on rentre bel et bien à la maison? Est-ce que je peux sauter de là? Je ne peux pas, moi qui voulais plonger. Ah, la maison, chers amis. Nous sommes à la maison. C'est cool. Donc je pense que dans le prochain épisode, chers amis, on va passer à une mission principale. On va voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Ah, et en plus je suis accueilli par quelques soldats plutôt bien préparés, on va dire, hein, quand même. Réflexe. Réflexe. Toujours pas. Bonjour. Et là, celui-là, tu l'avais bien. Boum. Touché un point vital. Et mon pote. Oui, monsieur. T'es chauve. Oh. Pourquoi t'es chauve, quand même? Viens par là. Viens par là. Non. Voilà. On va reculer encore un peu. Voilà. Et là, si je te lâche. Plouf. Ah non, il a pas fait plouf. Oh, je suis vexé. Oh, mais t'es mignon. Viens-tu. Ah. Regardez ça, si c'est pas mignon. Hello. Photo. Oh non, t'as des puces. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Tu me vois plus? Je crois qu'il m'a trouvé. Oh putain. C'est excellent. Hop les.
J'en ai toujours 4, j'en ai toujours 4, intéressant. Bon bah voilà les amis, on va se laisser là-dessus, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, on peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens.